près de 100 heures. C'était le système d'entraînement à l'arrière qui vient juste d'être posé. C'était de pouvoir mettre toutes les pièces ensemble, assembler le vélo et voir si c'est tout coordonné, tout s'assemblait bien. 22, parce que du coup il y avait 11 personnes. On a du bois, on a de la pierre, du marbre précisément, et de l'acier, et du cuir aussi. Le but en fait était de pouvoir réaliser un vélo avec le plus de métiers présents chez les Compagnons du Devoir. Donc en fait, chaque matériau représente un métier chez les Compagnons du Devoir. Les soirées passées à l'atelier, à se coucher très tard et à bosser sur le vélo. Je pense que c'est là qu'on s'est le plus amusé, ouais. Merci déjà de nous avoir proposé un projet comme ça. On remercie les Compagnons et... Beau travail. Et puis beau travail. Notre métier, notre passion, notre vélo pour le Tour de France.